Bienvenue dans ce pilote de Rendez-vous numérique, une rencontre hebdomadaire sur les médias sociaux. Je suis Benoît Chamontin, éditeur de Geeks&Com et consultant en communication. Chaque semaine, vous pourrez retrouver avec moi Benoît Descaries de Descaries.com et Sébastien Gagnon de Sébastien.com, SébastienGagnon.com. Tous les deux sont consultants en communication numérique. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Sébastien. Bonjour Benoît, merci. Ça fait plaisir de faire ce premier pilote avec vous. Je suis bien content de me lancer dans cette aventure-là avec vous. Justement, on va présenter le podcast. Je pense que tu peux nous résumer rapidement ce que c'est, Benoît, le principe de rendez-vous numérique. Oui, ben en fait, on s'est rendu compte un peu, on s'est réunis à quelques reprises, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de podcast francophone, mais vraiment spécialisé sur les médias sociaux, donc l'univers des médias sociaux. Puis on va tenter de créer, nous, quelque chose qui va rejoindre, bien entendu, le grand public. Donc on va expliquer, mais aussi on veut rejoindre les gens de la communication et les gens en entreprise, donc les usages. On va parler à chaque semaine, finalement, d'actualités, conseils, des astuces. On va aussi parler de services web connexes aux médias sociaux, mais qui peuvent être utilisés sur les médias sociaux. Puis on va finalement aussi faire des débats. Et de temps à autre, on pensait aussi à inviter des gens qui vont venir commenter avec nous cette actualité. Donc c'est vraiment un work in progress. Je pense que ce serait bien aussi que si vous avez des idées ou si jamais il y a des trucs que vous voulez qu'on aborde, ben, vous pouvez toujours communiquer avec nous, là, via Benoît, Sébastien ou moi. Moi, je vais vous faire le sommaire rapidement de cette émission. C'est un peu spécial, cette première, en tout cas, ce pilote, parce qu'on a beaucoup d'actualités qui arrivent de la fin de l'année dernière, puis de ce début d'année. Donc, on a décidé de se concentrer vraiment sur les mois de décembre, fin novembre, décembre de 2013, et sur le début du mois de janvier, sur la première et deuxième semaine du mois de janvier. Puis la semaine prochaine, on ira un peu plus loin dans l'actualité du mois de janvier et de février. Et la deuxième partie de l'émission sera une astuce. En fait, ce sera comment utiliser Zapier et Google Drive pour historiser vos tweets. Donc, vraiment une émission raccourcie dans les capsules qu'on pourrait faire, mais il y a beaucoup, beaucoup d'actualités qu'on doit rattraper. Je vais commencer avec une actualité. On l'a divisée en différentes catégories, c'est-à-dire les différents médias sociaux. Et on va commencer par Twitter, parce que Twitter, en fait, a présenté une nouvelle version de son service en ligne. C'est une version qui uniformise en fait beaucoup plus tout ce qui est design et tout ce qui est interface avec sa version mobile. Jusque-là, on était habitué à avoir une version mobile avec son Connect, avec son Discover, avec sa propre page à soi. Et on retrouve la même chose à la fois dans la version web qui a été déployée il y a 2 semaines, il me semble, et dans la version TweetDeck qu'on avait jusque-là, ou les versions mobiles, que ce soit sur iOS ou Android. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant de voir que depuis son introduction en bourse, Twitter essaie de vraiment d'avoir un service cohérent, et puis d'avoir une proposition où la personne, quand elle s'inscrit sur Twitter, elle participe parce que le taux de rétention, c'est ce qui est le plus difficile à avoir pour Twitter aujourd'hui. Donc cette uniformisation, puis cette nouvelle version, elle rentre dans cette tendance-là de dire à la personne, peu importe où vous êtes, vous allez retrouver tous les éléments que vous avez sur vos différentes versions. Je pense que Sébastien, tu veux nous parler de photos dans la messagerie privée sur Ben oui, Twitter. justement, pour enchaîner avec ce que tu disais, maintenant, il est possible d'envoyer des photos dans la messagerie privée. On voit que Twitter fait un effort aussi pour rendre sa messagerie privée plus alléchante. C'est ce qu'on observe aussi dans d'autres médias sociaux, dans d'autres réseaux. Avant, on devait communiquer un lien pour pouvoir envoyer une photo. Maintenant, on peut directement insérer une photo. Ça rend la messagerie beaucoup plus alléchante et intéressante. Et surtout, ça peut créer l'habitude d'utiliser davantage cette messagerie-là, je pense. Il y a aussi d'autres fonctionnalités là, qui ont été testées chez Twitter. Je pense, Benoît, tu voulais nous parler aussi des listes personnalisées. Ouais, c'est une fonctionnalité qui est apparue avant Noël, il y a quelques semaines. En fait, c'est apparu, ouais, c'est ça, mi-décembre. Donc,
ce que c'est en tant que tel, c'est qu'on peut personnaliser des listes de tweets. Donc, on sélectionne les tweets qu'on désire accumuler à l'intérieur d'une liste. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé. Donc, c'est carrément une liste, mais que l'on a créée. Donc, contrairement aux listes conventionnelles hein, d'usagers qu'on peut créer sur Twitter, donc si par exemple, toi, Sébastien et Benoît, ben, je vous mets dans la liste geek puis ou médias sociaux à suivre, ben, ce sont l'ensemble de vos publications qui vont apparaître à l'intérieur de cette liste-là. Tandis que la custom timeline, ben, celle-ci, c'est plutôt des tweets que moi, j'aurais sélectionnés en tant qu'utilisateur et que je vais proposer à ceux qui me suivent. Et ça, évidemment, c'est exportable. Donc, je pourrais, par exemple, l'intégrer sur un site web, un blog. Donc, on peut vraiment faire à peu près ce qu'on veut avec ça. Et à mon sens, ça remplace un peu ou ça vient concurrencer des services comme Paperly, qui permettent évidemment de pousser du contenu à son réseau, ou encore Storyfy, qui permet d'accumuler justement des tweets ou d'autres sources et pouvoir raconter l'histoire d'un événement. Bon, on pourrait faire la même chose, par exemple, avec la custom timeline, prendre des tweets au cours d'un événement, des tweets marquants, et les intégrer à l'intérieur de cette custom timeline et la pousser à notre réseau. Donc, ça devient une genre de liste de diffusion de tweets que l'on a personnalisé. Seul pépin, moi, seul petit problème à l'heure actuelle avec cette custom timeline, c'est qu'on peut uniquement la créer depuis TweetDeck, qui est l'application de client Twitter là, hein, qu'on peut avoir soit sur le web en version Mac ou PC. Donc, on peut uniquement créer ces custom timelines depuis cette application pour l'instant, mais en revanche, on peut les apercevoir depuis le web. Donc, c'est, à mon sens, une fonctionnalité extrêmement utile pour ceux qui vont par exemple, organiser des événements. Donc, tu vas nous revenir, Sébastien, sur la messagerie privée au niveau de l'équipe. C'est ça. Ben, ce qu'on voyait aussi, c'est qu'on voit vraiment, comme le disait Benoît Chamontin, Twitter essaie vraiment différents services. On pense aussi à Nearby qui a été testé en janvier où il y avait les tweets qui pouvaient s'afficher, où les tweets pouvaient s'afficher par localisation. Même si on suivait pas quelqu'un, on pouvait voir les tweets directement dans Twitter, là, des tweets qui nous entourent. On sait pas qu'est-ce qui va arriver avec cette fonctionnalité-là. Quand est-ce que ça va être déployé? Est-ce que ça va être déployé? Mais c'est quelque chose qui a été testé en décembre. On voit qu'il y a vraiment un effort chez Twitter de faire plusieurs tests. C'est à suivre, ça bouge vite chez Twitter en ce moment. Ça bouge vite et puis c'est déployé assez rapidement sur les personnes, contrairement à d'autres services où parfois on attend une année, je dirais. moi, je vais vous parler de Google+. Google+, a pas mal évolué au cours de la dernière année. Et au mois de décembre, en fait, ils ont annoncé la possibilité de découvrir par catégorie des messages. Alors, pour l'instant, c'est en cours de déploiement. C'est déployé aux États-Unis. Si certaines personnes veulent tester, elles peuvent trouver facilement une URL pour tester dans la version anglophone. Comment ça fonctionne, en fait? Google Plus met des hashtags quand on écrit des statuts, quand on poste des photos, etc. Il met des hashtags automatisés et contextualisés. Par exemple, si vous écrivez sur tiens, c'est l'annonce aujourd'hui de tel service ou de la vente, par exemple, de Motorola par Google à Lenovo, ben là, il va comprendre que on parle de téléphonie mobile, qu'on parle de Motorola, qu'on parle de Lenovo, etc. Et donc, il va mettre des hashtags pour expliquer cela. C'est pareil sur une photo, même si vous mettez aucun mot sur une photo, il est capable de dire ça c'est la Tour Eiffel à Paris, ça c'est le Stade Olympique à Montréal, et de mettre des hashtags. Ce qui permet aujourd'hui, c'est d'avoir un espace découvrir, explorer en tout cas, et de chercher par hashtag les différents sujets sur lesquels on discute. Donc, est-ce que ça va remplacer les sujets les plus populaires sur Google+ ? Je ne sais pas encore, mais ce qui est certain, c'est que ça prend une place beaucoup plus importante parce que ça se situe dans sa barre en haut sur Google+, dans la barre où on retrouve les différents cercles qu'on a fait. L'autre chose qui a été annoncée par Google+ en début d'année,
c'est la messagerie privée à tous les utilisateurs. Alors, messagerie privée, là, on ne se situe pas au même niveau que Twitter. On ne parle pas d'un espace dans Google+. On parle de la possibilité d'envoyer des messages à tous les utilisateurs, même si on n'a pas leur adresse courriel. Comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne comme un service de messagerie traditionnel, je dirais, quand on met un formulaire de contact sur son site web. La personne, elle va pouvoir cliquer, puis pouvoir envoyer un courriel sans connaître l'adresse de la personne, sans que ce soit dévoilé, à moins que la personne, quand elle reçoit le message, elle réponde à la personne. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est une fonction entièrement désactivable, mais par défaut, elle est activée pour tous les utilisateurs. Donc, si vous n'avez rien fait, toutes les personnes qui vous voient sur Google+, ben, sont capables de vous envoyer un message. Oui, sauf qu'en même temps, si on ne répond pas à ce message, Benoît, la personne n'aura toujours pas notre adresse, puis il est toujours possible, évidemment, de déposer le message en corbeille, spam ou courriel. Exactement, c'est vraiment le même principe qu'un formulaire de contact. Donc, on ne dévoile pas votre adresse en tant que telle, mais vous donnez la possibilité d'être recherché et d'avoir un message. Ça peut être vraiment très intéressant que quand on est un professionnel, un consultant comme nous, par exemple, mais même plus généralement, si jamais on parle de certains sujets, puis que des entreprises nous contactent pour nous proposer de tester le service, ça peut vraiment être très, très intéressant, je pense. On va passer à Facebook parce que Facebook a eu beaucoup beaucoup d'actualité l'an dernier, mais sur la fin d'année, il y a pas mal de choses qui ont été lancées. Et en ce début d'année, on a parlé des tendances, Benoît. Oui, tout à fait, Benoît. C'est un peu dans la même veine de ce que tu nous disais avec Google+, en ce sens où tout ce qui est tendance est extrêmement important. Donc, on l'a évidemment sur Google+, on l'a, puis c'est en train de se raffiner sur Google+, on l'a sur Twitter. Et on va maintenant avoir des tendances aussi sur Facebook. Donc, on va pouvoir avoir le même type de tendance que l'on retrouve sur Twitter, où on va voir les sujets les plus populaires du moment. Ben, on va avoir ce module-là sur Facebook. Donc, tout simplement, la façon dont ça va fonctionner, ce truc, c'est que on va pouvoir afficher finalement les 4 ou 5 tendances du moment qui vont apparaître dans le coin supérieur droit de l'écran. Et à ce moment-là, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est de cliquer sur l'une de ces tendances pour arriver sur une page dédiée à cette thématique et avoir l'ensemble des conversations qui ont été lancées à ce sujet-là. Et c'est pas encore très précis quel type de conversations vont apparaître à l'intérieur de ces pages dédiées. Est-ce que on parle évidemment de publications provenant de pages, mais de pages, j'imagine, qui seront connues ou qui auront beaucoup d'activités, et de membres de son réseau. Mais comment on triera tout ça? C'est encore assez flou. Et comme on sait souvent, Facebook, ils sont assez lents à lancer des fonctionnalités une fois qu'ils les ont annoncées. Donc, on ne sait pas exactement à quel moment on aura accès à ces fonctionnalités. Ce qu'on sait, c'est... Oui, excuse-moi, Sébastien. Oui, non, mais s'il déroule ce truc-là, si finalement on y a accès, ça va être intéressant de voir à quel point la localité est importante, la localisation, à quel point on va aller micro-local là, dans ces trends-là, justement. Encore là, on ne sait pas. Hein? On n'a aucune indication à ce niveau-là. Ce qu'on sait, c'est que ça sera lancé sur le Canada, les États-Unis, Grande-Bretagne, l'Australie et l'Inde. Donc, ce sont les utilisateurs, peut-être qu'on y aura accès, mais certains utilisateurs de ces pays-là qui auront accès en premier à la nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est vraiment à suivre, ça va être intéressant, un complément. Ce qui sera aussi à suivre, à mon avis, c'est de quelle façon on va intégrer ça sur l'interface de Facebook, qui, souvent, moi, je la trouve un peu brouillon. Donc, est-ce que ça va alourdir l'interface? On ne sait pas trop. Et on dit qu'on va intégrer ça aussi au niveau mobile. C'est certain qu'ils vont y arriver. Mais on n'a pas encore d'échéancier au niveau de l'apparition des tendances sur la mobilité. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est à suivre. Et ça fonctionne comme les hashtags. Hein. C'est-à-dire que quand tu cliques, tu ouvres un nouvel espace. Là. C'est vraiment le même fonctionnement que le hashtag. Oui, tout à fait. Exactement. Ça fonctionne exactement de la même façon.
Mais en contrepartie, on pense que Facebook aurait peut-être perdu jusqu'à 80% de ses membres. Oui, tout à fait. Il y a une étude récente qui a été publiée la semaine dernière où on faisait mention de la possibilité que Facebook perde plus de 80% de ses utilisateurs d'ici 2017. C'est assez catastrophique comme scénario pour Facebook. Cette étude-là prétend que les idées se propagent comme les maladies et cessent de se propager comme les maladies également. Donc, on a pu voir des pandémies se propager et finalement s'arrêter sec. Et on prédit à peu près la même chose pour Facebook. Ça reste à voir, mais c'est sûr qu'on parle aussi un peu de l'exode des jeunes qui ont quitté Facebook ou du moins qui vont jouer ailleurs que chez Facebook. Donc, ça reste à voir. On a vu une belle réponse de Facebook. Je sais pas si les personnes ici l'ont vu, mais Facebook, en fait, du coup, a utilisé un petit peu un sophisme pour répondre à Facebook, à Princeton, en expliquant que les recherches de Princeton diminuaient depuis un certain nombre d'années, puis que l'air aussi dans la recherche n'était pas forcément les plus recherchés. Donc, du coup, ça voulait dire que si on suivait cette tendance, on manquerait d'air, mais qu'en plus, Princeton mourrait par rapport à d'autres universités. Donc, Facebook a pris le temps de répondre avec beaucoup, beaucoup d'humour, puis un peu de la même manière que l'étude a été menée. Donc, c'est intéressant, cette étude-là, pas forcément parce qu'on parle de 80% et puis que c'est un chiffre qui fait parler, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur Facebook, même s'ils viennent de réaliser des gros résultats avec 1,5 milliard de bénéfices, notamment en mobile. C'est jamais acquis, puis on l'a vu dans le passé, que ce soit MySpace ou que ce soit d'autres services, ça peut rapidement tourner et c'est difficile dans le cadre d'un service qui touche un aussi large auditoire de conserver tout cet auditoire-là. On le voit, les jeunes sont en diminution, mais les personnes plus âgées sont en augmentation. Ben, il faut réussir à conserver ces deux types de personnes qui n'ont pas forcément envie que l'un ou l'autre soit sur ce réseau-là parce que les jeunes ont envie de partager certaines choses en privé et pas que leurs parents soient dessus parce que ça fait beaucoup moins cool puis beaucoup moins proche de leurs intérêts. Donc non, il y a une vraie, vraie problématique pour Facebook. Après chez Facebook, ce qu'on remarque, c'est c'est quand même ancré dans nos habitudes où on va organiser des événements sociaux via Facebook, des événements avec nos amis. On va s'en servir maintenant comme messagerie. Je pense qu'on parlait de la messagerie de Twitter, c'est un peu d'aller dans ce sens-là, parce que quand on a une messagerie, qu'on crée une habitude de communication privée comme ça, on arrive à retenir, je pense, les utilisateurs encore plus. Donc, faut voir là, quand on voit des chiffres comme ça là, dans des études très fatalistes. Ça fait surtout beaucoup parler. Non, puis on pourrait parler de aujourd'hui la tendance d'essayer d'avoir plus de contenu. C'est clair qu'aujourd'hui Facebook cherche un moyen pour conserver ces personnes, puis que ce soit par la messagerie, puis c'est pareil pour Google avec Google Hangout et Google Plus, que ce soit par le contenu avec justement ces tendances, puis beaucoup plus de valorisation du contenu des pages. Il y a beaucoup, beaucoup de choses pour essayer de contrer toutes ces annonces sur la mort du réseau social. Est-ce que ça va réussir? C'est devenu une grosse, grosse machine. Il faut dire que c'est un gros, gros défi pour eux parce que c'est allé beaucoup plus vite que ce qu'ils pensaient de leur côté. Donc maintenant, il faut réajuster puis faire tourner un bateau. Oui, puis il y a les usages aussi qui changent dans le sens où, par exemple, de plus en plus, les jeunes utilisent la messagerie instantanée, les jeunes et moins jeunes, utilisent la messagerie instantanée de Facebook. Ils vont peut-être être présents sur cette portion de service, mais ils utiliseront peut-être un peu moins le mur et les différentes fonctionnalités qu'on a à l'intérieur. Et évidemment, il y a peut-être des applications comme Farmville qui sont en train de disparaître aussi. On va peut-être assister finalement à une segmentation de Facebook, c'est-à-dire que non pas une seule application pour accéder à son fil de nouvelles, mais plusieurs applications qui répondent à des usages totalement différents. On le voit aujourd'hui, on a son application Facebook, son application Facebook Message. Il y a une annonce aujourd'hui de Facebook Paper dont on parlera sans doute la semaine prochaine plus en détail parce qu'on aura de quoi en parler. Mais c'est peut-être une tendance de se dire, nos publics, ils sont dans un même espace,
mais ils peuvent utiliser différents services ou toucher différentes d'autres publics. Donc du coup, on va créer des applications différentes, ben, comme ça au moins on les perdra pas et on monétisera tous ces espaces-là. Oui, tout à fait. Benoît, je pense que tu voulais nous parler également d'Edomondo, qui élargit un peu son service. Oui, alors pour ceux qui connaissent pas, Edomondo, c'est un peu l'équivalent de Runkeeper. Donc la différence avec Runkeeper, c'est qu'en fait, ils sont lancés avant dans un service de tracking de sport, mais multisport, alors que Runkeeper était lancé que dans la partie course à pied. Mais finalement, Runkeeper s'est réorienté avec tous les sports qui sont ajoutés. Donc, ce sont des services vraiment équivalents aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que bon, jusque-là, évidemment, il y a les activités sociales, on peut suivre ses amis, il y a des défis qui sont lancés avec des marques. Il y a déjà une grosse monétisation d'Endomondo, mais ils veulent aller plus loin en touchant les entreprises. Et donc, du coup, ils ont lancé la semaine dernière des pages pour les entreprises sur Endomondo. Alors pour l'instant c'est assez limité, il y a juste Powerade et puis un autre service vraiment d'accessoires de sport en plus d'Endomondo qui sont dessus. Mais l'idée derrière c'est de se dire on a une page d'accueil sur laquelle les sportifs sont touchés par des marques qui sont proches des sportifs avec que ce soit du contenu vraiment ciblé. Sur leur dernière publicité, mais sur leur dernier produit, sur des astuces pour réaliser telle ou telle chose dans le sport, mais aussi, bon, bah, évidemment, une partie photo, une partie vidéo et une partie défi. Donc, les marques elles-mêmes, plutôt que de passer avant par Endomondo pour lancer leurs défis, elles pourront, à partir de leur page, lancer des défis pour, par exemple, bah, la Powerade a lancé un défi qui est le test de Cooper pendant 12 minutes en course à pied et le prix à gagner, bah, c'est... un ballon de soccer, plus des bouteilles Powerade, plus, bon, bref, tout un équipement Powerade. Donc, vraiment, on veut toucher le sportif. C'est intéressant parce que c'est très, très spécialisé comme service. Donc, une marque qui est dans le sport, elle va pas se diluer en se disant, bon, ben, je vais toucher le grand public, mais parmi ce grand public, il y a peut-être des gens qui aiment juste ma marque, mais qui vont pas l'utiliser. En tant que sportif. Donc là, on va toucher des personnes qui, dans le cadre de leur exercice, utilisent une application qui fait du tracking, qui cherche la performance, et donc du coup, on peut s'adresser directement à elles avec des messages qui vont les toucher. Donc je pense que c'est vraiment une stratégie qui peut être complémentaire et intéressante, et c'est un bon développement d'Endomondo. Est-ce que ça va fonctionner? C'est toujours la grande question, mais il va falloir voir l'intégration sur le site web, mais l'intégration aussi dans l'application et comment ce sera reçu par les utilisateurs. Mais pour utiliser le service régulièrement, on est habitué à avoir les challenges d'entreprise dedans depuis le début. Donc, c'est juste un complément aujourd'hui qu'on a. Donc, non, c'est un mouvement assez intéressant qu'on a observé pour un service qu'on n'attend pas forcément sur ce genre de niveau social, je dirais. Je pense qu'il y a Instagram aussi qui a été très très actif toute l'année dernière, mais en fin d'année, ben on parlait de messagerie privée. La messagerie privée, on en a retrouvé partout. Donc là, on parle de messagerie privée aussi, je pense, Benoît. Ouais, c'est vraiment une tendance, hein, justement, la messagerie privée. Donc sur Instagram, le réseau social de photo qui appartient à Facebook, ben on lance un nouveau service. C'est la messagerie privée. C'est-à-dire que plutôt que de partager ses photos à l'ensemble de son réseau social, ben on peut partager certaines photos avec des personnes que l'on aura présélectionnées et ça devient une espèce de petit groupe qui va pouvoir justement aimer cette photo, commenter cette photo et discuter autour de cette photo. On peut évidemment faire la même chose sur la vidéo. Donc, ça transforme une partie du réseau qui est public en espace de discussion privée au niveau de la messagerie privée. C'est assez intéressant. Donc, ce sera à suivre parce que les marques utiliseront cette fonctionnalité. Ce sera aussi à suivre puisque les marques sont de plus en plus aussi présentes sur Instagram. C'est pas la seule nouveauté sur Instagram, Benoît. Je pense qu'il y a de la publicité qui est en train d'arriver sur Instagram. Oui, ben là, je vais vous parler d'Instagram et de Pinterest parce que les deux, en fait, les deux réseaux ont annoncé que la publicité arrivait sur leurs différents espaces et l'ont annoncé un peu de la même manière, c'est-à-dire que on commence un test, puis au même moment à peu près, c'est-à-dire en novembre. On commence un test sur quelques utilisateurs
On veut vraiment rester dans l'esprit du réseau, donc des images, des belles images. Vous avez la possibilité de nous faire vos retours dessus. Donc Facebook, en fait, Facebook qui détient Instagram, se dit bon ben on a quelque chose avec Instagram, mais jusque là ben ça rapporte pas tant d'argent que ça. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont annoncé ce lancement aux États-Unis dans un premier temps avec quelques marques, dont Levi's par exemple. Et l'idée, c'était de se dire, ok, vous proposez déjà des photos sur vos Instagram, ben là, on veut aller dans le même sens. Pas une photo avec un gros slogan, puis ce genre de choses là qui est très intrusif, mais des photos qui sont dans le même esprit, donc une mise en valeur de vos produits, puis bon, les filtres, etc. C'est pas compliqué la manière dont ça fonctionne quand on est dans son fil de photos. Au milieu, on a une photo d'une marque qu'on suit pas forcément. On a un petit label qui est marqué sponsored pour nous dire que avec cette icône que c'est un contenu sponsor, un contenu payé. Et on a la possibilité soit de cacher la photo ou la vidéo, parce que ça peut aussi être une vidéo, et de d'expliquer pourquoi on a caché cette photo, en quoi ça nous intéressait pas. Les résultats des premières semaines sont plutôt positifs des personnes, en expliquant que y en a certaines évidemment qui commentent juste pour dire qu'elles ne voulaient pas de la publicité, mais d'autres personnes expliquent que finalement elles étaient surprises parce que ça s'intègre plutôt bien et que c'est pas en masse dans leur fil de nouvelles. Donc il va falloir voir quand ça va être déployé à l'international, mais les retours ont été bons à la fois pour les marques et à la fois pour Instagram. Il faudra voir quand toutes les marques pourront y avoir accès, un peu comme la publicité qu'on peut retrouver en ce moment sur Facebook, où n'importe quel marketeur peut se lancer à faire de la publicité. Il faudra voir la qualité de la publicité. Est-ce que encore ça va réussir à bien s'intégrer dans le fil? Ça va être intéressant de voir ça. C'est une bonne question que tu soulèves, un bon point, parce que avec ce lancement, il n'y a pas la possibilité de créer soi-même sa publicité. En tout cas, je m'explique, on n'a pas la possibilité pour toutes les marques de créer. On n'a pas un espace publicitaire comme sur Facebook où on peut programmer sa publication, puis hop là, c'est lancé à tout le monde, c'est ciblé, etc. Là, on n'a pas eu les détails, mais a priori, il faut passer par la régie Instagram, je dirais. Okay. Donc, il va falloir voir justement si, quand il y aura un lancement international, si ça se fera avec une autonomie totale des entreprises ou s'il y aura un filtre Instagram pour vérifier la qualité de la publicité, ce qui demande un gros travail pour une entreprise de mettre en place ça, mais qui peut être un très bon moyen de garder ses utilisateurs, puis de garder un certain niveau de publicité, que ce soit au niveau de la qualité, mais aussi au niveau des prix, parce qu'on pourrait très bien dire on met un entonnoir, puis donc du coup on met un volume de publicité qui est assez restreint, comme ça nous permet de garder un certain niveau de prix de vente des publicités. Tout à fait. Pour Pinterest, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ils ont annoncé un test avec évidemment une mise en avant des images, la possibilité de voir que c'est un promoted pin, la possibilité d'en savoir plus sur l'entreprise, mais la possibilité aussi de faire un retour sur cette publicité, expliquer pourquoi on l'aime, pourquoi on l'aime pas, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas encore lu de retour de Pinterest dessus. C'est peut-être passé entre mes yeux avec toute l'actualité qu'on a. Mais je sais que c'était dans le même esprit, de se dire que on voulait faire en sorte que ce soit au maximum intégré et pas une bannière qui sort de nulle part avec du ciblage qui n'a pas forcément de sens, etc. Donc là, on voulait être un peu, par exemple, si on cherche un terme des choses de nature, de camping, etc. Dedans, on aurait par exemple Julie's Outdoor Supply qui met un petit peu une lampe de camping qui est intégrée dans sa cabane, tu sais, donc des choses comme ça. Donc tout est une question d'intégration, et c'est intéressant de voir Pinterest et Instagram, parce que aujourd'hui on parle de marketing de contenu plus que de bannière de publicité, et je pense que Instagram et Pinterest ont compris cet intérêt-là. Après, est-ce que ça va fonctionner à grande échelle? Est-ce que les marques vont comprendre tout cet intérêt-là plutôt que de se dire « Ah ben c'est facile de faire une bannière de pub et ça coûte moins cher ?» Ça va être une autre question. Sur Pinterest, il y a eu beaucoup d'évolutions, puis on parle de géolocalisation aussi, donc ça complète un petit peu cette partie, même si c'est pas publicitaire. Je pense que Benoît, tu veux nous en parler? Oui, tout à fait. Mais en fait, Pinterest offre maintenant la possibilité de géolocaliser des tableaux puis des
en fait les photos à l'intérieur d'un tableau. Donc, par exemple, si je possédais un hôtel en Floride, ben je pourrais identifier exactement l'endroit où ont été prises ces photos. Donc, c'est une entente avec Foursquare, ce qui leur permet d'avoir des cartes et de géolocaliser les photos. Donc, on géolocalise carrément nos photos. Et l'intérêt au niveau de l'industrie touristique est évident. Mais aussi pour, par exemple, les restaurateurs. Une autre fonctionnalité qui a été ajoutée il y a quelques jours, c'est qu'on peut maintenant rechercher, même en français, soit des recettes ou carrément des aliments. Par exemple, une asperge. Je recherche des photos d'asperges. Ben, si le restaurateur a une recette d'asperges, photographie son plat, et la géolocalise, cette photo, en fonction de son restaurant, ben, je pourrais faire une recherche d'asperges, puis là, je peux aller sur mets végétariens, il y a différents choix qu'on peut faire, tomber sur cette photo, voir que c'est un restaurant qui est pas très loin de chez moi, le piner, et peut-être m'y rendre. Donc, ça ouvre de nouveaux horizons, puis de nouvelles capacités au niveau de la recherche pour Pinterest, assez intéressant. On peut aller plus loin dans la recherche. Est-ce que, par exemple, si je suis... si j'ai une intolérance à quelque chose, je peux sous-catégoriser ça? Bonne question. Ce que j'ai vu, il me semble qu'on ne peut pas le faire, mais je pense qu'il y a effectivement sans gluten, végétarien, des choses comme ça. Mais au niveau des allergies alimentaires, par exemple, je ne pense pas qu'on aille encore aussi loin que ça. On le voit. En tout cas, chaque réseau vraiment apporte ses propres fonctionnalités, puis il peut répondre vraiment à des problématiques de différentes entreprises. Là, c'est... On l'abordera pas forcément aujourd'hui, mais d'un point de vue stratégique, c'est très très intéressant de se dire que chaque réseau peut correspondre à un public éventuel et que c'est pas forcément parce que mon voisin est sur Facebook qu'il faut que j'y sois ou que ma voisine est sur Pinterest que je dois être à cet endroit-là, mais que ça doit répondre à mes objectifs. Exact, tout à fait. Je pense que on a terminé un petit peu le tour d'actualité. On en a encore pour la semaine prochaine parce que cette semaine puis la semaine dernière, il y a eu quand même beaucoup beaucoup d'annonces dans le domaine et puis je pense que jusqu'à jeudi prochain, on va avoir encore pas mal d'actualités dans le domaine. Mais avant de terminer ce premier numéro, on va vous présenter une astuce. En fait, Benoît va vous présenter une astuce autour de Zapier et Google Drive pour historiser les tweets. En fait, quand vous organisez un événement, souvent à la fin, on souhaite récupérer les tweets pour se dire bah tiens je vais créer un rapport etc. Et on n'a pas tous les moyens d'avoir un gros outil là qui se rapatrie tous tes messages etc. On n'a pas tous une grosse organisation puis c'est pas forcément l'endroit où les entreprises mettent toujours l'argent dans le rapport même si c'est quelque chose qui est très important pour préparer ces autres événements. Et Benoît, t'as quelque chose qui peut être utile dans ce type de rapport par exemple? Oui, absolument. Ben, en fait, c'est un service qui se nomme Zapier. Alors, qu'est-ce que Zapier? C'est en fait un service web qui permet de faire communiquer entre eux différents services web. Par exemple, il est possible de faire communiquer Facebook ou Twitter avec Google Drive, donc plus précisément une feuille de calcul sur Google Documents. Alors, comme on le sait, ben, Google offre une suite bureautique sur le web et l'équivalent d'Excel sur Google Documents qui s'appelle feuille de calcul, ben, c'est une feuille dynamique. Elle peut accumuler des données qui proviennent du web. Donc, Zapier va vous aider à justement accomplir cette tâche. Alors, ce que je fais, c'est que je vais sur Zapier, j'ouvre un compte, je crée une règle. Ça fonctionne un peu sur le même principe que IFTTT, donc qui est If This Then That, qui permet aussi de lier des services web ensemble, sauf que on n'a pas autant d'applicatifs professionnels avec ce service-là. Donc, sur Zapier, je crée mon compte, je crée une règle, et ce que je demande, c'est d'accumuler les données que je désire. Par exemple, je peux rechercher un mot clic, un hashtag précis, un nom d'utilisateur précis et accumuler le nombre, par exemple, des personnes qui ont retweeté mon hashtag, d'où elles proviennent, combien de followers elles ont, elles suivent combien de personnes, le compte existe depuis combien de temps, géographiquement où est-ce qu'elles sont situées.
À quel endroit elles ont tweeté? Est-ce qu'elles ont tweeté depuis Montréal, depuis Paris, depuis Londres? Donc, vous pouvez accumuler une foule d'informations à l'intérieur d'une feuille de calcul et par la suite, évidemment, trier le tout, aller rechercher les influenceurs, ceux qui étaient en fait avec le plus grand réseau, pouvoir les réinviter peut-être pour votre prochain événement. Donc, ça vous donne, ça, évidemment, vous allez avoir le nombre total de tweets et de retweets qu'il y a eu avec ce mot-clé ou ce hashtag au cours de la soirée ou de l'événement que vous avez organisé. Donc, c'est extrêmement efficace. C'est un service qui est ce qu'on appelle freemium. Donc, vous avez une base qui est gratuite. Mais si on veut la version payante qui nous permet d'accumuler évidemment beaucoup plus de tweets, ça demeure quand même raisonnable. On parle d'environ une quinzaine de dollars par mois. Puis, c'est pas un engagement sur un an. Donc, si vous avez un événement, vous pouvez prendre le service pour un mois, revenir à la version gratuite. Puis, donc, abordable pour la PME. Toi, justement, t'es avec beaucoup de PME. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà proposé, oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui est facilement récupérable par la personne? Je veux dire, on se pose toujours la question, ok, mais est-ce que je vais pouvoir récupérer cet outil-là et est-ce que tu les formes facilement dessus? Absolument. Je l'ai implanté en début de semaine chez un de mes clients et la personne qui s'occupe des médias sociaux a été agréablement surprise de voir que, finalement, c'est pas compliqué. Je mentionne quel champ je veux récupérer au niveau du compte Twitter sur ma feuille de calcul. Donc, on bâtit la règle. C'est extrêmement simple. Ça prend, une quinzaine de minutes. La règle est en place. On la teste et on voit immédiatement si ça fonctionne ou non. On corrige et c'est prêt à fonctionner. Et on n'a rien d'autre à faire. Le principe de ça, puis ce qui est intéressant, c'est l'automatisation. Donc, j'ai pas à manuellement aller chercher justement ces tweets, essayer de voir, bon, OK, les compter manuellement, combien j'en ai eu. Tout ça se fait d'une façon automatisée, sans qu'on ait rien à accomplir, outre que de créer cette règle. Ben, merci Benoît pour cette astuce. Je pense que ça va intéresser pas mal d'entreprises et on va essayer d'en avoir régulièrement dans nos numéros pour justement, que ce soit au niveau grand public ou au niveau entreprise, apporter un petit peu quelque chose puis vous accompagner. On a terminé sur ce premier numéro de rendez-vous numérique. C'était un numéro un peu spécial, comme on vous disait, puis c'est parce que c'est un peu notre pilote. Merci Benoît d'avoir participé à ce numéro. Ben, merci Benoît, je suis très agréable. Merci Sébastien. Merci à vous deux. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, aux alentours de 9h. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Salut.